Eh bien, salut à tous, c'est Bart et on se retrouve pour un test du jeu Bart's Nightmare sur Super Nintendo, qu'on pourrait traduire évidemment par le cauchemar de Bart, pour ceux qui ont un minimum de notions en anglais. Et en fait, comme vous le voyez, Bart, il est un petit peu con parce qu'il s'endort sur son devoir. Et on va se retrouver plongé dans son cauchemar en fait. Et tout le jeu, ça va être basé sur ça va être basé sur les cauchemars de Bart, comme son nom l'indique. Donc là, on se retrouve directement dans son cauchemar, sauf que à première vue, en fait, on dirait pas trop que c'est un cauchemar. Voilà, on est dans un monde un peu parallèle. On se demande ce qu'on fait. On est sur une espèce de grande route. Il y a des boîtes aux lettres qui marchent. Ah, je me suis fait écraser par le bus. Alors que là, je vois qu'il y a une feuille. On va y aller directement. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure du jeu. Je vais essayer d'y aller. Voilà. Donc là, c'est très très bizarre. Vous voyez, on saute dans une. Je vais aller à droite. Je vais prendre la jaune. On saute dans une feuille et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans un des niveaux du cauchemar de Bart, justement. Je crois qu'il y en a 7 en tout, si je ne dis pas de conneries. Donc là, c'est le niveau de la cuisine. On se retrouve directement, excusez-moi, dans une scène de plateforme. Alors, ce test, encore une fois, je ne l'ai pas préparé parce que je le connais bien. Donc normalement, tout devrait revenir petit à petit. C'est vraiment ce qui m'intéresse, de faire ça en freestyle avec mes connaissances pour voir comment je m'en tire. C'est là où je prends le plus de plaisir à les faire, je trouve. Donc là, vous voyez que. En fait, on va être dans l'univers de Itchy et Scratchy, vous voyez, la petite souris, je crois que c'est Itchy. Attends, si je dis pas de conneries. Hein. Scratchy, attendez, à moins que ce soit le chat. Je crois que Itchy, c'est la souris, et Scratchy, c'est le chat. Enfin, j'espère que c'est ça, en tout cas. Et donc là, justement, ouf, attends, ils reviennent à l'infini, on va faire gaffe. Donc là, il y a un score, non, oh putain, je me suis fait aplatir. Donc là, il y a un score en haut à droite. Je crois qu'on va devoir se débarrasser de tout le monde, ouais, c'est ça. En fait, on doit se débarrasser de tous les ennemis avant de passer au prochain tableau. Alors là, si je me mets sur le canapé, je devrais pas avoir de soucis. Normalement, j'ai juste à les attendre. Ouh là là, faut juste faire gaffe au bazooka, il est vraiment très puissant. En fait, ça c'est. Bon, il faut vraiment que je vous explique un petit peu la base avant de commencer cette vidéo. Donc, c'est un jeu qui est édité par Acclaim. Donc, Acclaim, c'est ceux qui avaient la licence des Simpsons à l'époque. Ça, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu quand je vous ai fait, excusez-moi, le test de Krusty Super Fun House sur Super Nintendo il y a quelques temps déjà. Il y a vraiment beaucoup de temps, je sais pas, plusieurs mois. Donc là, faut faire gaffe, il y a plein de trucs qui explosent à l'écran, notamment, je crois que le cadre va nous balancer. Ah, excusez-moi. Va nous balancer des trucs, voilà, les yeux de Marge. C'est vraiment très bizarre. Alors que là, on se fait attaquer par des aspirateurs qui nous font une attaque de feu. Voilà, je me suis fait carboniser. Sachant que j'ai 3 ou 4 vies au début, regardez, j'en ai perdu, c'est l'espèce de tête de barre tout en haut. On va essayer de courir et se mettre ailleurs. Si je me mets là, est-ce que ça peut le faire? Alors ça, je crois que c'est une des meilleures attaques du jeu, hein, l'espèce de pistolet. Je sais pas ce que c'est, un espèce de. Insecticide ou un truc comme ça. Non, un extincteur, c'est ça, mais en version pistolet. Et donc justement, on va devoir se débarrasser de tous les ennemis jusqu'à ce qu'il y ait l'icône de la flèche pour qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu, mine de rien. C'est un jeu qui m'a assez marqué hein, dans mon enfance, j'y ai beaucoup joué, mais c'est pas pour autant qu'il est bien. Alors en fait, je vais vous le dire franchement, je vais vous le dire directement, c'est pas un bon jeu, mais c'est pas un mauvais jeu non plus. En fait, il est entre les deux, il est entre la bouse et le jeu moyen. C'est-à-dire que c'est un jeu, voilà, tu joues, voilà, tu prends du fun quelques temps, mais tu vas pas y revenir trop trop longtemps parce qu'il a beaucoup de défauts malheureusement. Donc là justement, la flèche vers le haut, c'est-à-dire qu'on va monter à l'étage. On va se retrouver dans le grenier, je crois. Sauf que là, c'est assez chaud justement. Alors, on va se mettre là, je me mettais toujours sur un côté. Est-ce que je peux me barrer? Je vais essayer de me foutre là. Ah, je vais essayer de choper l'espèce de tir avec le débouche-chiotte. L'espèce de ventouse. On va essayer de se mettre là. Ah, voilà, je me suis fait carboniser. Avec la petite animation de Bart en haut à gauche. Je vais essayer de rechoper ça. Oh putain, mais c'est super chaud parce qu'il faut bien se positionner. J'espère que je vais pas crever. En fait, faut se mettre au milieu et attendre qu'ils arrivent. Donc, faut anticiper leur arrivée. Donc, sauf que là, il y en a un qui va arriver super rapidement, je crois. Je crois que c'est Itchy ou Scratchy. Voilà, tu vois. J'ai même pas le temps d'anticiper le truc qui me tire dessus. Alors, je crois que là, c'est ma dernière vie. On va essayer de faire gaffe. Je vais essayer de me mettre là. Je crois qu'après il y en a un qui va m'attaquer avec des couteaux de. Oh putain, mais c'est super tendu parce que voilà, t'as pas le temps. Donc je serais pas arrivé au bout malheureusement. J'aurais pas gagné ma feuille. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 feuilles, donc 8 pages en tout à collectionner. C'est les pages du devoir de Bart. Et une fois qu'on les a tous collectionnées, on aura gagné, on aura fini le jeu et Bart va se réveiller en fait. Donc là on se retrouve dans le monde principal en quelque sorte. Hein, excusez-moi, le cauchemar. Alors que c'est très bizarre parce qu'il y a des trucs vraiment étranges à l'écran. Le score qui est en haut à droite. En haut à gauche, l'espèce de truc rouge et vert, c'est en fait un rho. Bart pourra faire des rhos. Je vais essayer de vous le montrer en fait quand il y aura une espèce de grand-mère, une espèce de mamie à l'écran. Je vais vous montrer ce que ça fait.
Ça va la faire fuir en quelque sorte. Ça va la dégager parce que les mamies sont méchantes dans ce niveau. Donc là, regardez, je chope la canette. Je vais essayer de trouver justement des ennemis un peu différents pour vous montrer. Alors que là, quand je saute au-dessus des boîtes aux lettres, ça les transforme en étoiles pour nous faire gagner des points. Non, ouais, ça nous fait gagner 10 points. Enfin, c'est vraiment, vraiment très spécial. Alors, un ballon de basket. Regardez, si je saute au-dessus. Merde! Si je saute par-dessus. Alors que vous voyez que ma vue se trouble, en fait, c'est la vie. Plus on va se faire toucher, plus la vue de Bard va se troubler. Et quand elle sera totalement troublée, on va se réveiller, on aura perdu, on sera game over. Donc là, je saute au-dessus du ballon de basket et ça le transforme en skate. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc là, on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors que là, c'est très rapide, on n'a pas le temps d'anticiper ce qui se passe. Et je me suis fait toucher par des espèces de têtes de je sais plus quel perso c'est dans l'animé. Enfin, dans le dessin animé. Alors que là, je peux faire une bulle, je crois, je sais plus à quoi elle sert. Je vais essayer de faire gaffe. Alors, l'euro, c'est quelle touche déjà? Est-ce que c'est X? Je vais essayer de faire X. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de canette, enfin voilà, Bart se retrouve dans une canette et fait un espèce d'euro, ce qui fait fuir la mamie entre guillemets. En fait, le but là, ça va juste être de trouver les pages manquantes des devoirs de Bart. Tout à l'heure, on en a trouvé une qui nous a. En fait, chaque page va nous proposer de choisir entre deux niveaux. Là, c'était entre le niveau bleu et le niveau jaune. Le niveau jaune, c'est celui de la cuisine, hein, qui commence dans la cuisine, qui est assez chaud. Je trouve qu'il est très difficile comparé à certains. Enfin, vous verrez que c'est pas le seul qui est difficile. Et justement le niveau bleu qu'il faut absolument que je vous montre parce que pour moi c'est le meilleur du jeu en fait. Et c'est le plus intéressant je trouve. Donc là on a trouvé Lisa sous forme de fée qui nous a transformé en crapaud. C'est juste n'importe quoi. Encore une fois c'est le cauchemar de Bart. Ce jeu c'est juste un gros what the fuck. Hein. Tu sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs. Et la seule façon pour retrouver notre aspect principal c'est de trouver une grand-mère qui va nous faire un bisou pour nous transformer en... pour nous rendre notre apparence de Bart en fait. Alors que là il y a une... Voilà j'ai retrouvé une... Alors je vais prendre le vert cette fois-ci, c'est Bardzilla, donc c'est justement la parodie de Godzilla, sauf qu'on est sous forme de monstre, mais sous forme de monstre avec Bard justement. Et c'est super chaud parce que c'est vraiment approximatif comme gameplay. Tu peux soit tirer des boules de feu, alors si tu tires sur en haut et B, tu vas tirer sur les bâtiments en crachant des boules de feu. Et si tu restes appuyé sur B, si tu tires, si tu fais par à-coups, tu vas tirer des lasers justement, ça c'est pour venir à bout des hélicoptères et des avions qui vont arriver sur toi. Alors que si, ouais je crois qu'il n'y a qu'une touche, ouais c'est ça. Et justement, on va écraser les bâtiments avec nos pieds. Sachant que quand on va écraser certains bâtiments, je crois que c'est les grands bâtiments blancs que vous verrez tout de suite après, c'est des espèces de grosses usines. Ça va faire en quelque sorte, ça va nettoyer l'écran, ça va tous les buter d'un coup. Regardez, c'est ça, je crois, voilà, hop. Voilà, là j'ai tout buté d'un coup alors que je me fais attaquer par un espèce de chasseur. Heureusement que j'ai fait ça à temps. Parce que les chasseurs sont très très difficiles à avoir, ils sont très rapides et ils nous lâchent des roquettes en pleine tête. Voilà, là je vais avoir du mal à l'avoir. Voilà, c'est bon. Et donc la première phase, c'est ça, on est sous forme de Bardzilla. Et on marche dans la rue avec tout l'armement, toute l'armée qui nous attaque. Les tanks, enfin les chars d'assaut, les avions, les hélicoptères. Et c'est super super chaud parce qu'on se fait un petit peu violer quoi. Alors que là vous voyez que j'ai pas pu faire autrement. Je sais plus comment on fait pour faire des lasers droits. Est-ce que c'est sur le côté... Voilà c'est sur le côté et Y c'est ça, pour faire des boules de feu rectilignes. Alors que si on fait bas et Y ça tire vers le bas et O et Y ça tire. Alors là que je me suis fait toucher, voilà j'ai perdu toute ma vie. C'est vraiment anecdotique comme niveau, ça me plaît pas, franchement c'est y a rien de fun quoi. Sachant que la deuxième partie c'était en fait Bardzilla qui montait sur un espèce de gratte-ciel. Il essayait de monter tout en haut, et à la fin il y avait King Kong, une grosse référence à King Kong qu'il fallait éviter et battre justement. Avec des espèces de papillons, marge sous forme de gros papillons qui nous attaquaient, enfin c'est juste n'importe quoi. Alors que là il y a un nouvel ennemi, c'est l'espèce de. De trucs de jazz, putain, j'ai oublié le nom, c'est quoi déjà? Attends, ça craint, j'ai oublié le nom de là. Attends, c'est un truc de fou, j'ai un gros trou de mémoire en vidéo là, ça m'arrive jamais ce genre de truc. C'est quoi déjà? Putain, ça craint vraiment là, je suis en train de m'afficher. Attendez, c'est un instrument à cuivre, mais c'est le. Ah, mais je vous jure, mais ça m'arrive jamais ce genre de truc en général. Oh putain, écoutez, si ça me revient, je vous le dirai, mais là j'ai juste honte. Donc là en fait, à chaque niveau qu'on va faire, on chope des lettres. Et là, j'ai chopé la pire lettre qui existe. Non, je dis des conneries, ça c'est quand on a le game over en fait, le final score. C'est à la fin de notre partie. Et là j'ai chopé un F, donc la pire note, hein. Final score 6305. Sachant que la meilleure évidemment c'est A. Il faut absolument que je vous montre avant de finir cette vidéo le monde bleu. Alors là ça fait quoi 10 minutes ça va durer 15 voire 20 minutes, mais grand maximum parce qu'il faut que je vous montre encore 2 ou 3 niveaux. Alors que là j'ai une nouvelle feuille, il faut se ruer dessus dès que tu vois une feuille, t'y vas. Et là on va choper le vert, je l'ai déjà pris, le jaune, ah oh merde, bah putain je l'ai déjà pris. Ah oh, là j'ai vraiment pas de bol. Ce qui est encore quoi, il y a la rose je crois, la orange et la bleue. Si je ne m'abuse. Il faut
faut absolument que je vous montre le niveau bleu, donc le niveau de Bartman. On est sous forme de super-héros, on est dans le ciel, il y a des boss et tout, c'est assez... c'est vraiment le truc le plus intéressant pour moi du jeu. Et vous voyez, en haut, le truc avec l'espèce d'icône en haut à gauche de l'écran avec 5, c'est en fait les espèces de petites graines qu'on va tirer, l'espèce de petits grains de sel, je sais pas, des petites graines qu'on va tirer en appuyant sur la touche A de la manette Super NES. Voilà le niveau de Bartman, magnifique. Et je vais vous laisser écouter un petit peu la musique, hein, que je trouve vraiment sympa, écouter ça. C'est une musique assez oppressante, hein, qui nous met bien dans le délire. Bon, elle est pas exceptionnelle, c'est une espèce de boucle qui dure pas trop longtemps. Donc là, en fait, on a une jauge de vie encore une fois en haut à gauche, sachant que plus on va se faire toucher, plus la tête de Bart va changer. Regardez, là, il est pas content. Ça, je trouve ça vraiment énorme. C'est le genre de petit détail que j'apprécie. Donc là, je gagne une quatrième vie, c'est pas négligeable, hein, parce que c'est un niveau qui est assez difficile, mine de rien. De toute façon, tous les niveaux de ce jeu sont assez difficiles, dont certains qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Donc là, j'ai chopé un Z, je sais plus du tout à quoi ça sert, ce truc. Bref. Alors je suis bien parti, j'ai 4 vies. Sachant qu'il y a des nuages qui nous jettent de la foudre et qui nous suivent, et c'est assez stressant. Alors que là, le premier boss du jeu, les jumelles, dans une espèce de grosse montgolfière, qui vont nous jeter des ballons, des espèces de bombes à eau. On va devoir les éviter, je vais me mettre en dessous, je vais faire... Oh putain. Boss Meter, c'est la jauge du boss, regardez, elle diminue petit à petit, donc là elle est cachée derrière un nuage. Regardez, la jauge du boss, c'est l'espèce de petit carré rouge. Au début, le carré rouge était entouré par du vert, et petit à petit ça va diminuer. Je vais essayer de me la faire rapidement, elle est assez facile. On va la bourriner. Est-ce qu'on peut tirer d'autres trucs? Je crois que non, c'est les cailloux, c'est les seules choses qu'on peut tirer dans ce jeu. Donc là, on a un lance-pierre. Hein. Et on est sous la forme de Bartman, avec sa cape violette et son espèce de super déguisement. Et on va avancer. Et regardez là, je vois tout de suite que ce nuage-là, je le reconnais. Parce qu'il est un peu, il a une couleur un peu différente, il est plus clair que les autres. Et regardez, dès que je vais le passer, il va nous attaquer. Regardez, il va nous faire de la foudre. Il faut courir absolument parce qu'il nous suit jusqu'au bout du monde. Oh putain, il faut que je le sème. Une fois que tu l'as semé, il te suit plus. Oh putain, c'est chaud. Il faut vraiment le dépasser de plusieurs mètres, hein, sinon il va revenir à la charge. Je vais essayer de me grouiller. Alors que là, en fond d'écran, en background, vous voyez le boss qui se rapproche. C'est celui-là, justement, c'est un mini-boss. Non, c'est un boss tout court. Enfin, pour moi, c'est un mini-boss, parce que le vrai boss, justement, c'est celui-là avec son éléphant, l'espèce de gros dégueulasse, qui nous jette des espèces de nuages toxiques verts bien gerbants, quoi. Je l'ai bientôt tué. Ouais, il est super chaud à éviter, il nous jette des cacahuètes avec son éléphant rose. C'est vraiment dégueulasse, je me rappelle plus du nom de ce perso dans la série. Je crois que c'est Barney, un truc comme ça, enfin je sais plus du tout. Donc là il a explosé avec son éléphant rose, c'est juste n'importe quoi. Encore une fois on est dans un cauchemar, le cauchemar de Bart, faut faire gaffe. Alors lui il est là pour nous redonner, il nous lâche de la vie en fait, l'espèce de truc rouge c'est de la vie. D'ailleurs je l'ai raté, je suis un petit peu dégoûté. Donc là il y a des fusées qui nous attaquent, il faut bien les éviter encore une fois, sinon ça nous fait pas mal de dégâts. Encore une fois, un putain de nuage qui va nous suivre, on va l'éviter. Ça serait cool que j'arrive au moins au bout d'un niveau dans ce jeu. Que je sois pas, sachant que là j'ai 4 vies, ça devrait le faire normalement. Oh putain, je suis mort. Alors que la Bart est sous forme de squelette, malheureusement. Voilà. Le prochain boss, je sais plus qui c'est, je crois que c'est l'espèce de gros avion. On va voir ça tout de suite. Ah voilà, c'est ça, c'est la montgolfière encore une fois. Enfin non, c'est le dirigeable, hein, le zeppelin. Oh putain, alors là, ces trucs là, ils nous touchent, ils nous font perdre une vie en entier. Et voilà, vous voyez. Non, la moitié d'une vie, excusez-moi, j'ai dit des conneries, donc il suffit de se faire toucher 2 fois comme je viens de le faire pour perdre toute notre vie. Sauf que quand il n'y a plus de munitions, en fait, le boss est mort, je crois. Hein. Enfin, il se barre, quoi. Par contre, pour les éviter, c'est hyper chaud. Ouais, c'est dirigeable, en fait, je crois qu'il faut les buter avec notre arme, sinon, oh, c'est super tendu. Je vais essayer de m'en débarrasser. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, franchement, ça doit faire plusieurs mois, voire années même. Voilà, en fait, il faut se les faire avec notre arme. Alors que là, voilà, il est parti, c'est bon. Là, je crois qu'on va arriver dans une zone un peu radioactive avec des nuages verts, que si on va dedans, eh ben, on se fait électrocuter, hein. On se mange plein de dégâts. Donc, je vais sûrement faire une coupure, à toute. Ah, donc on se retrouve dans la zone un peu radioactive avec les nuages, et c'est super chaud à éviter parce que c'est vraiment étroit pour passer. Alors que là, je viens de me faire électrocuter, regardez, le Bart en squelette, c'est assez énorme comme animation. Et je viens de me rendre compte aussi que
Bah, je me suis rappelé de l'instrument de tout à l'heure que j'ai oublié, c'est évidemment un saxophone, hein. Totalement débile. Des fois, t'as des trous de mémoire comme ça, tu sais pas pourquoi. Alors que là, je viens de repérer toute ma vie, je suis vraiment dégoûté, j'ai perdu quoi. Alors que je voulais vous montrer tout. Et un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, on va récupérer des Z comme vous l'avez vu tout à l'heure, notamment. Et en fait, les Z, regardez là, il y a une jauge de Z au milieu de l'écran, c'est en fait la barre de vie hein, du jeu. Quand on est dans le menu principal, quand on est dans Springfield, parce que la ville c'est évidemment Springfield, vous l'aurez reconnu. Les Z qui vont nous permettre de rester endormis en fait, pour ne pas se réveiller, parce que si on se réveille, vous l'avez compris, c'est game over et on recommence tout. Donc là, point d'interrogation. Ah merde, j'ai oublié de le prendre. Je sais plus à quoi ça sert. Franchement, c'est vraiment très très bizarre comme truc. Donc les Z qui vont nous permettre de rester endormis pour regagner de la vie. Alors que là, je fais une bulle, je sais plus du tout à quoi sert cette bulle. J'ai encore une fois mon skateboard. J'aimerais bien vous montrer un dernier niveau si possible, le niveau orange, qui fait penser à Indiana Jones un petit peu. Une scène un petit peu. Oh putain, alors que je viens de me buter lamentablement. Ouais, je vais aller à gauche, tiens. Ok, si on passe au-dessus, ça fait quoi? Ouais, ça fait une espèce de bruit bizarre. Dernier niveau et on va s'arrêter là, je pense. Hein. Donc là, je vais faire sûrement encore une fois une petite coupure à toutes. Ah voilà, enfin, je suis tombé. Après 10 minutes de non-blabla et de jeu, je suis tombé sur le niveau le plus aléatoire du jeu et le plus, pour moi le plus difficile. J'ai jamais vraiment su comment le faire. Hein. Sauf que, voilà, je suis mort. Putain, je crois qu'il me reste encore 2 vies. En fait, quand tu tombes sur des plateformes. Oh putain, j'ai même pas le droit à un deuxième essai. D'accord. En fait, c'est totalement débile parce que des fois, tu tombes sur des trucs où il y a une espèce de petite flamme au début et quand tu vas dessus, tu tombes. Hein, la plateforme se dé. Je sais pas comment tu dis. Se déploie sous tes pieds, enfin, te fait tomber quoi. Alors que là, on va se transformer en homme d'affaires. Il y a un mec qui nous balance un costume, c'est juste n'importe quoi. Et juste avant de finir, il faut absolument que je vous montre soit le niveau. Enfin, j'aimerais bien vous montrer le niveau orange, le niveau rose en fait, le niveau aquatique où Bart contrôle un espèce. Enfin, il est un espèce de harpon, et il doit buter des espèces de poissons. C'est vraiment très psychédélique, encore une fois. Niveau graphisme, ça respecte bien la série, ça respecte bien la patte graphique du dessin animé et l'ambiance. Hein. Sans être exceptionnel, franchement, il n'y a rien de magnifique, c'est pas super beau, c'est très très basique. Pour la Super NES, on a vu bien mieux, évidemment. Mais ça reste correct, hein, mais vraiment, le gros what the fuck du jeu, c'est un truc moi, qui me donne pas des masses envie d'y retourner, hein, voire pas du tout. Hein. Je vous le présente parce que c'est un jeu de mon enfance, que je l'ai connu. Mais c'est pas un jeu qui me plaît, hein, c'est pas un jeu que je vous recommande, dont je vais vous dire, mais jouez-y absolument. Comme des jeux que je vous ai présentés précédemment, je sais pas, Pop & Twinbee, Axelay, Ace Attorney, les Zelda, plein de Mario, enfin. C'est évidemment des jeux connus, tout ça, mais. Lui, non seulement il est pas connu, enfin il est peu connu, mais en plus il est pas bon, enfin il est pas très bon. Hein. C'est pas une perle cachée ni rien, c'est juste un jeu que les gens ont oublié et que. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs. Alors que là, il faut absolument que je trouve une dernière. Bon, tant pis, on va s'arrêter là. Donc là, je suis game over. Ah, écoutez, c'est un jeu très très moyen, il y a eu énormément d'adaptations de Bart, enfin des Simpsons, en jeu vidéo. Qui ont été pour la plupart très peu convaincantes, alors que je viens de choper un des moins. C'est assez pitoyable. Donc beaucoup d'adaptations, excusez-moi, des Simpsons, et malgré ce que je vous ai dit sur ce jeu, ça va vous halluciner ce que je dis, mais pour moi c'est une des meilleures adaptations de Simpsons qui existent hein, dans les jeux vidéo, à part peut-être le Hit and Run, je crois, sur je sais plus quel support GameCube, je crois qu'il était bon celui-là, si je dis pas de bêtises, enfin, si je me rappelle bien. Et je crois que les jeux Simpsons, franchement, en général, ils sont tous pourris, hein. J'en ai un sur Game Boy, je vais vous le présenter, mais vous allez halluciner, hein, c'est... Du gros what the fuck, on se demande ce qui se passe quoi. Des fois on croit rêver. Donc voilà, c'est un jeu qui aurait pu justement élever la licence des Simpsons dans le jeu vidéo, on aurait pu se dire c'est une tuerie et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont bâclé ça, enfin qu'il n'y a pas énormément de. Je sais pas, c'est vraiment très bizarre, le gameplay est approximatif, il n'y a pas de fun quoi dans ce jeu, on s'amuse pas. Donc je suis désolé de faire ce. Enfin, généralement j'aime pas faire des tests de jeux que j'aime pas trop, ou des jeux de jeux moyens voire pourris. Mais là, c'est un jeu de mon enfance que j'ai connu et je voulais vous le montrer, tout simplement, vous le faire découvrir. Donc, je vous le conseille pas, hein, sauf si vous avez la curiosité de voir ce que ça fait, de jouer à ce jeu. Et sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, soirée, je ne sais pas, nuit ou autre. Et je vous dis goodbye à tous et. Congratulations, the test is now over. Bisous à tous.